Ma fille, j'ai busy. Ma fille est une prostituée. Busy? Moi? Tu as un choix. Tu fais un choix entre ma mère et moi. Tu évacues rapidement ce que tu as dedans dans le ventre. Et ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Hein? Si je comprends bien le cas de ma fille couche avec ma femme et l'a enceinte. Et toi, tu évacues rapidement ce que tu as dedans dans le ventre et ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Hein? Quoi? Évacue comment? Elle est moi je m'en vais comme ça. Oh Dieu! Oh! Hey, ma soeur! C'est le français évacué qui a fait maintenant. La soeur est dedans! Ah, évacue! Grand frère! Grand frère! Ah Seigneur Jésus, c'est quel dilemme ça? Hein? C'est quel dilemme ça? Qu'est-ce que j'ai créé comme ça? Ma propre femme est sur mon toit et se fait enceinter par un autre. Donc si je comprends bien le cas de ma fille couche avec ma femme et l'a enceinte. Oncle. Maman là, tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as même pas honte? Ici, je suis à la place de ton père. Et je vais te gifler parce que cet acte que tu viens de poser, ça ne t'honore pas et ça n'honore pas notre famille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de poser un tel acte? Oncle. Oui? Votre enfant ne fout rien. Hein? Comment se fait-il qu'il va me laisser comme ça pendant 2 ans sans me toucher? 2 ans? 2 ans? Et il dit que je suis une vieille. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que deux vous avez fait? 2 ans! Jesus is Lord! Hey, et il dit que je suis une vieille. Mais on va faire comment maintenant, tante? Tante, on fait comment? Et où? Souro dit à nous, Fofo. On peut arriver. Donc je dois aller au marché. D'accord. Je vais revenir. Tu t'en vas comme ça? Oncle, que vais-je faire? On va faire comment? Maman, hola! Maman, hola! Tu sais, je partage vivement ta peine, mais je ne suis pas du tout content de toi. Je suis pas d'accord. Parce que tu ne peux pas être sous le toit de ton mari et poser encore un tel acte. Ça ne t'honore pas. Et toi, Soso, tu m'as honni. Soso, tu m'as honni. Tu es sûr que toi, tu es de ma famille? On est de la même famille. Non. Est-ce que tu as jamais entendu moi, ma femme, se plaindre comme ça? Tu es de ma famille et tu laisses ta femme pendant 2 ans sans la toucher. Soso, je suis désolé. On va faire comment? Le fait déjà cassé. On va faire comment? Soso, nous étions victimes de la rencontre. Et c'est un coup. Et ma calais est un. Et dans les coups. Oui, est-ce qu'on est à d'assis tout le monde? Et à le bon. Et pour d'assis, oui. Soupa si poro, mi pomo d'or, à ma kéoua, ma kéoua, ma kéoua. Oncle! Donc, si je comprends bien, on ne peut pas surveiller une fille. Malgré toutes les surveillances que moi je fais dans cette maison, ma femme et ma fille me trompent.
Si c'était vous, qu'allez-vous faire?